Écoutez, ne vous excitez pas, vous avez le temps. Hein. Je suis avec vous. Comment vous allez alors? Comparant votre première déclaration sur le sol français, qu'est-ce que vous pensez de cette attends, installez-vous les gars, installez-vous. On recule, on recule. Par ici, par ici. Elle est là. Mais décalez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous comptez faire en France Info, le micro? Qu'est-ce que vous comptez faire en France, monsieur Sobhraj? Eh bien, d'abord, je pense négocier pour mes contrats. Maître, messieurs, par ici. Vous avez été surpris d'être... Un signe, un signe. Ça, c'est cool. Moto, donne-moi la cassette, change de cassette, moto. Allez, va. Non, non. C'est bon. Je pense pendant 7 semaines, ils lui ont refusé des papiers. Au bout de 7 semaines, ils lui ont donné des papiers. Cette fois-ci, ils le retiennent. Et à la fin, ils seront forcés de le relâcher. Et ils vont perdre la face une deuxième fois. C'est la preuve que l'État, actuellement, est incapable d'assumer ses responsabilités et de prendre ses responsabilités dans une affaire aussi banale qu'un Français ayant purgé sa peine à l'étranger et qui rentre en France alors qu'il n'existe aucune procédure contre lui.